الإسلامية مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية. C'est le message le plus fort celui-là. هذا هو اللي يوجعهم وما يوجعهمش غير في الداخل. يوجعهم aussi هنا. راكو شفتوا واش صرا اليوم le 6 juin 2021 تاريخية. Ça va rentrer dans l'histoire. Le préfet de Paris, Didier Lallement, nous a empêchés de marcher pour la deuxième fois. Un peuple pacifique, depuis 2 ans et demi, on n'a rien cassé, on n'a pas cassé une vitre. On a marché depuis 2 ans et demi, on n'a jamais rien cassé. Pour la deuxième fois, il y a le même argument, les élections en Algérie. Il paraît qu'il y a d'autres personnes qui ont fait une déclaration pour faire une marche dans l'autre sens. Pour les élections, Zama pro-régime, est-ce que vous avez déjà vu ici à Paris des manifestations pro-régime? C'est quoi cette déclaration qui a été faite pour casser aujourd'hui notre marche? C'est quoi ça? Ça, ça s'appelle la contre-révolution. Et la contre-révolution et la propagande à le régime, la France est complice d'une manière directe. L'Élysée est complice d'une manière directe. Et justement, aujourd'hui, je vais essentiellement parler en français parce que je vais m'adresser non seulement à vous, mes chers concitoyens, vraiment que je suis heureuse de retrouver aujourd'hui Place de la République, mais aussi à eux qui nous écoutent. Et j'ai envie qu'ils nous écoutent, qu'ils nous entendent. Je m'adresse à eux aussi. Parce que le peuple algérien a assez souffert. Il a assez souffert ici en France déjà. Nous avons assez souffert. Rappelons-nous le 17 octobre 1961 à Paris. Le préfet Papon, à l'époque, a donné l'ordre de massacrer les Algériens et de le jeter dans la Seine. Aujourd'hui, le préfet Didier Lallement a donné l'ordre de noyer la parole des Algériens à Paris. C'est historique. Ils ne vont pas nous noyer dans la Seine directement, mais ils vont tenter de noyer nos revendications, nos désirs de démocratie pour l'Algérie, comme ils l'ont fait en Afrique depuis 62, depuis très longtemps. Tous les désirs, toutes les volontés démocratiques des peuples africains sont avortées. Par qui? Par l'Élysée, par la France complice. Voilà ce qui se passe, mes frères. L'Algérie ne pourra pas se libérer tant qu'on ne sera pas libéré des mains de la France-Algérie, de la France-Afrique. Et quand je vois que Didier Lallement, et j'aimerais qu'il écoute, c'est possible, hein, il ne nous écoute pas, personne ne nous écoute. Les médias ne nous écoutent pas. Tout à l'heure, il y avait des médias qui étaient ici. Je suis allée les voir d'une manière très hypocrite. Ils m'ont dit, si, on est là. Mais d'accord, vous êtes là, mais pourquoi? Pourquoi vous ne nous montrez pas? Pourquoi que je parle à des Français, ils ne savent pas? Regardez combien nous sommes ici. Nous avons marché sur Paris. Plus de 80 000 personnes. Pourquoi personne ne nous voit? Parce que nous sommes pacifiques, il n'y a pas de sang qui coule. Parce que ce n'est pas vendeur. Pourquoi? Nous sommes un peuple, nous sommes des vies. Et aujourd'hui, on ne se noie pas dans la Seine, on se noie en Méditerranée. Et si ça continue comme ça, ce sont des milliers de personnes qui vont venir en Europe. Et il va falloir assumer, messieurs, dames. Il va falloir assumer. Ça les arrange, ne vous inquiétez pas, ça les arrange. Il faut enfermer les prisons, mec. Il faut enfermer les prisons. Pouvoir assassin, Macron et Darmanin complices. Macron complice, pouvoir assassin, Macron complice, pouvoir assassin. Vous savez ce qu'il a osé faire, Didier Lallement, le préfet de Paris? Là, pour les vœux de 2021, il a envoyé une carte de vœux au nom de la préfecture et il a cité Strosky. Il a cité une citation de Strosky. Lui, le stalinien, avec les méthodes de Staline, il ose citer Strosky. Nous savons ce que le communisme a apporté à l'Algérie. Hein. Nous sommes la conséquence directe du communisme en Algérie. Je ne suis pas en train de valoriser le communisme, mais il a osé citer Strosky en donnant une phrase très simple. Je vais vous la lire parce que vraiment, elle est très évocatrice et je trouve qu'elle est très parlante par rapport à la situation d'aujourd'hui. Alors, je suis profondément convaincu, et les corbeaux auront beau croasser,
que nous créerons par nos efforts communs l'ordre nécessaire. Sachez seulement et souvenez-vous bien que sans cela, la faillite et le naufrage sont inévitables. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Qu'est-ce que vous comprenez par là? L'interdiction de la marche aujourd'hui représente pour eux une faillite et un naufrage. Si nous gagnons, ça sera la faillite pour eux. C'est ça que ça représente, c'est leur richesse que ça remet en question. Leur pillage de l'Afrique, de l'Algérie, c'est ça que ça remet en question. Et l'ordre public, c'est quoi? C'est l'ordre mondial qu'ils essayent de nous faire vendre. Monsieur l'Allemand, monsieur Darmanin, monsieur Macron, foutez-nous la paix. Merci à vous, Tahir Jezer. Bravo.